Alors, La langue du silence par Samantha Bailey, maison 1016. Partie 1, le temps des larmes. Les portes du palais s'ouvrirent, déversant un flot de soldats sur la place centrale d'Abranel. Ils s'élancèrent, l'épée au clair, pour porter secours à la population dont les cris d'horreur déchiraient l'air. Dans les rues habituellement désertes, à cette heure de la nuit gisaient des cadavres, les rigoles longeant le pavement des routes débordant de sang. Alors que les uniformes or et blanc défilaient à toute allure pour foncer à la rencontre des envahisseurs, un groupe d'une dizaine d'hommes restait dans l'ombre des colonnes du palais. Quand la place fut déserte, une femme ordonna « Par ici, dépêchez-vous !»« Chef, vous êtes sûr ? C'est maintenant ou jamais !» Les lames nocturnes longèrent le mur en souplesse avant de gravir l'escalier jusqu'au portes. Leur chair fermait la marche en serrant le manche de son poignard à s'en faire blanchir les phalanges. Pour le moment, les choses se déroulaient comme elles l'avaient prévu. Ces imbéciles n'avaient pu se résoudre à laisser les civils se faire massacrer sans réagir. Ils bénéficiaient d'un effet de surprise. Des hurlements de rage et des cliquetis d'acier résonnèrent tout à coup. Trois habitants déboulèrent sur la place, poursuivis par six hommes. Les dernières sentinelles se précipitèrent à la rescousse. C'était la diversion dont ils avaient besoin. Les lames nocturnes se profilèrent dans le palais.